la loulou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Vampirella que j'ai réussi à transférer heureusement d'un PC à l'autre. Et on va aller visiter sa maison ensemble, puisque ça y est, j'ai travaillé dessus et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez évidemment des idées pour des modifications, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et nous allons aller dans la famille Darkness, où j'ai refait entièrement la maison, que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors, je suis pas très très douée pour ce qui est de l'extérieur, donc j'ai fait au mieux. Alors voilà, je vous présente la maison de l'extérieur. Donc ici, on avance, on peut trouver un petit perchoir pour oiseaux. J'ai ajouté un puits, j'ai changé la poubelle et je nous ai mis deux petites gargouilles à l'entrée qui sont un petit peu plus sympas. J'ai gardé le nombre de fenêtres qu'il y avait devant, mais j'ai rajouté des fenêtres ici. J'ai créé un petit coin terrasse sur le côté qui donne sur le cimetière et sur la réserve à bois où on peut s'installer. On a également une grosse gargouille et deux petits points d'eau. Vu de derrière, j'ai également mis une terrasse. Bon, alors cette chose-là non identifiée va peut-être partir, hein. J'ai essayé de la caler, mais elle a pas trouvé sa place. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. J'avais envie de faire un petit coin jacuzzi, mais je savais pas exactement où. Ici, j'ai mis des bancs qui sont abrités du soleil pour nos vampires, ainsi que quelques petites plantes et des portes un petit peu différentes. Ensuite, on va passer au rez-de-chaussée. On entre ici, on a un petit couloir qui nous amène un premier escalier pour l'étage et un deuxième escalier pour le sous-sol. Ici, j'ai un petit coin avec une cheminée, une petite table, la cuisine, avec un espace où on arrive sur la salle de musique qui donne ensuite sur le jardin. Je vous montre un petit peu avec les murs montés également. Ici, la salle à manger avec sa cheminée et une petite bibliothèque. Là, on a un petit canapé avec la télé, donc le coin salon-salle à manger ici qui est coupé et qui donne sur la cuisine. Donc quand c'est monté, hop, vous avez deux entrées qui sont ouvertes avec des tentures, des tableaux. J'ai essayé vraiment de décorer au mieux avec toutes les tentes. Donc je sais plus exactement comment je les avais surnommées parce qu'on a beaucoup de tentes dans la famille, mais on avait une tente Hubertine, tante Marcel et tante Zelda. Donc ça, c'est pour ce qui est du rez-de-chaussée. Voilà, je vous montre un petit peu de dessus. Ensuite, on passe au premier étage. Le premier étage, j'ai pas tout modifié. Ici, j'ai gardé une chambre, sachant que Vampirella ne peut plus dormir puisque maintenant elle ne peut dormir que dans un cercueil. Dans cette chambre, un miroir légèrement vampirique. Le petit coin de notre fils qui n'a pas sa chambre à lui tout seul pour l'instant, il est encore jeune. Donc ce sera quelque chose que je ferai par la suite, voire même on pourra transformer cette pièce-là entièrement dans sa chambre. Des peluches, une bibliothèque. Là, on a un petit coin bureau cosy. Avec une lampe, un chandelier et puis un petit canapé d'angle que je trouve très très sympa. Donc fermé, on a même l'arbre qui passe nous faire un petit coucou. Et ici, j'ai mis une sculpture. À côté, on a d'autres non petites terrasses. Et ensuite, ici, un grand dressing familial qui fera presque petit caveau. Donc voilà, avec un grand bloc noir. Aussi, un miroir, des poufs. Et puis des petits meubles en plus. Mais voilà, c'est vraiment un petit coin sympa pour venir. Pour venir s'habiller, voilà. Après, pour les murs, je suis restée un petit peu dans quelque chose de classique, j'ai mis de la pierre, sauf dans quelques pièces où j'ai mis un petit peu de couleur, mais dans ces cas-là, j'ai rajouté des petites toiles d'araignée et un côté un petit peu abîmé. La salle de bain n'a pas changé, on a toujours nos deux vases, qui est juste la petite nouveauté qui est là, que je trouve très très sympa, notre petite fontaine. Oui, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va partir sur le rez-de-chaussée. Donc là, grand grand aménagement aussi. J'ai gardé donc la pièce, je vais appeler ça le dortoir, la chambre d'amis. Non, là où dorment mes vampires avec un orgue pour avoir une douce musique et un coin bougie. Il y a aussi un petit sofa. Quand on descend, on peut aller soit d'un côté, soit de l'autre. Ici, on a un bar avec son entrée. Donc voilà, grand bar avec les photos de famille. Un petit endroit pour manger et pour boire quelque chose. Et ensuite, on passe à la salle des fêtes, où là, on a un petit coin karaoké, où on peut s'installer aussi pour écouter ceux qui chantent, et un coin pour danser et chanter, pour faire la grosse fête. Et quand on a terminé la fête, et bah, on va s'instruire dans la grande bibliothèque vampirique, qui est tout en bas, avec des commodes, avec également une cheminée. On peut se détendre, jouer aux échecs et lire un tas de livres. Voilà, ça résume un petit peu la maison. J'espère bah, qu'elle vous plaît. Moi, je trouve que de l'extérieur, elle rend vraiment sympa. Le fait d'avoir trois petits toits et d'avoir un petit côté court, j'aime beaucoup.
Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et voilà, la visite est terminée. Donc maintenant c'est avec cette maison qu'on va continuer les let's play, puisqu'évidemment je ne m'arrête pas, on a encore plein de choses à voir. Notre enfant doit grandir, nous il faut qu'on arrive à atteindre le pouvoir maximum et qu'on contamine d'autres vampires, enfin qu'on contamine d'autres humains comme Elena qui n'a toujours pas été contaminée. On peut faire un petit coucou à mon chien, voilà, qui aime faire sa star. Coucou le doudou! Coucou le doudou! Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!